Bonsoir la France. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes excuses pour cette interruption. J'aime, comme beaucoup d'entre vous, le confort du train-train quotidien, le sentiment de sécurité et la tranquillité que procure ce qui est familier et répétitif. Je les apprécie comme tout à chacun. Il existe bien sûr des personnes qui ne veulent pas que nous parlions. Je soupçonne qu'en ce moment même, des ordres sont aboyés dans les téléphones et que des hommes armés vont bientôt se mettre en route. Pourquoi ? Parce que même si l'on peut se substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension, et pour ceux qui l'écouteront, l'énonciation de la vérité. La vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas ? Mensonges et injustices, intolérance et racisme. Et là où, auparavant, vous avez la liberté de faire des objections, de parler comme bon vous semblez, vous avez maintenant des censeurs, des systèmes de surveillance vous contraignant à la conformité, et sollicitant votre docilité.